sommes donc à l'aéroport de l'île Maurice ici et on va prendre l'avion pour aller à La Réunion à Saint-Denis. Il reste à peu près 45 minutes d'avion et on a hâte de retrouver le public réunionnais, ça va être énorme. Et là on est en attente de l'avion. Fun fact, ici à l'île Maurice on est encore obligé de porter le masque, qui je rappelle n'est plus une obligation dans la plupart des pays du monde depuis 1987. Mais ici c'est toujours obligatoire, donc ici on est en masque à Maurice. Obligatoire juillet 2020, masque un peu obligatoire juin 2021, masque pas obligatoire septembre 2021, masque parfois obligatoire. Très belle escale, très sympa. Et maintenant direction La Réunion. Les gars, nous sommes dans la maison, ici la villa où on dort à La Réunion, c'est exceptionnel. Je vous fais une petite villa tour très rapide, venez avec moi. Ici vous avez la piscine. Ah sa mère ! Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Tu connais le petit rebord là ? Ok, c'est bon, c'est passé. Le petit jacuzzi qui est là, dans le courant. Pièce à vivre, salle à manger. Bon, rapport qui a été pris au prix du mètre carré, on peut pas faire mieux en ce moment hein, dans la région du 94. Ma chambre. Alors comme vous voyez, c'est plutôt très bien rangé. Alors que je ne savais même pas qu'on allait me faire visiter ma chambre. C'est juste que je suis quelqu'un d'extrêmement ordonné. Voilà. Grande bathroom. Et mon endroit préféré de la maison ici, juste ici. L'endroit le plus agréable, on va pas se mentir. C'est lumineux, c'est pas très moderne, mais c'est relativement en bon état. Petite terrasse, individuelle. C'est pas magnifique ça? Regarde-moi ça. Ah, c'est le boulot, hein. Je suis obligé d'être là. Faut savoir profiter de ce genre de petits moments de la vie parce que on profite pas assez, je te jure. On est tellement à fond dans le travail et tout ça que là c'est bonheur quand même d'être là. Waouh, là c'est quand même un sacré kiff. Et voilà, on est à l'énergie La Réunion. Guillaume, c'est quand tu veux. Kev Adams. L'interview sur Énergie Réunion. Yes, pour plusieurs minutes encore hein, dans Énergie le mag et comme on l'a dit, les expressions créoles, Kev Adams. Je suis chaud. Vas-y, teste-moi sur les expressions créoles. Attention. Fais bon à où? Oh, pas mal, ça s'applaudit. Il n'y a que Kev Adams qui peut dire ça sur Énergie en même temps. Fais pas la boue avant la pluie. Ah, ça veut dire mets pas la charrue avant les bœufs. Exactement. Les bœufs. Bon Dieu, il punit pas le rush, la petite dernière. Bon Dieu, il punit pas le rush. Ça veut dire le bon Dieu, il aide quand même ceux qui essayent. Littéralement, ça veut dire Dieu ne punit pas les pierres. Ouais, c'est ça. Ça veut dire bon Dieu, il punit pas les pierres. Un malheur n'arrive qu'à ceux qui le méritent. Ah, ouais, wow, c'était technique là pour le coup. Hein. Donne-moi une expression de chez toi. Les expressions parisiennes, c'est allez avance connard. Fuck yeah. Kev Adams ce soir au théâtre plein air de Saint-Gilles. Demain soir aussi, si vous ne pouvez pas ce soir, il n'y a pas de problème. Théâtre.re pour récupérer vos tickets. Les amis, toujours dans ce LOL spécial La Réunion. Nous sommes au théâtre ici, théâtre plein air de Saint-Gilles. Exceptionnel endroit. Il compte en être un des autres. On va aller changer, on va aller retaper tout ça. On est retour tout à l'heure sur scène pour faire la guerre. Let's go. Je leur ai posé plein de questions sur la Réunion. Je leur ai dit comment on appelle les habitants de Saint-Denis. Ils m'ont dit les Dionysiens. J'ai dit ok, waouh, ok. Comment on appelle les habitants du Tampon. Ils m'ont dit les Tamponnés. J'ai dit ok. Comment on appelle les habitants de Saint-Gilles. Ils m'ont dit les oreilles. Les oreilles, c'est le seul spectacle que je fais de ma vie où les premiers rangs, ils me corrigent. Allez, mince. Redis-le. C'est pour ton bien, redis-le. Allez, mince. On va mettre en place un code. Je suis heureux d'être avec vous, La Réunion. Je suis heureux d'être avec vous parce qu'on sort d'une période difficile. On aura vécu des belles choses tous les mois. Les amis, sortis de scène ici à La Réunion. Incroyable. Public incroyable, moment incroyable. On a enchaîné deux shows là. Et j'étais fou. Je suis trop content, trop fier, exténué. Mais. Waouh! La Réunion! La Réunion, elle est là! Alors, comment on s'organise? Voilà, justement. On a fini les spectacles, hier avant-hier spectacle, et là ça y est, on profite, on est en train de manger un petit brunch entre potes, et après on va dans une cascade qui s'appelle la cascade des trois bassins pour se baigner. Donc c'est énorme, une journée de folie. Selon vous, quel plat Kev Adams a-t-il commandé? Réponse A, un bon plat équilibré.
Réponse B. Un burger bien gras. Réponse B. Un burger bien gras, sa mère. Après le brunch, tu sais où on va ? C'est quoi le nom ? La cascade des trois bassins. C'est une cascade stylée ? Ouais. Bienvenue les amis dans ce nouveau Sacotte Inside Travel. Aujourd'hui, l'île de la Réunion. Brad Pitt, Beyoncé ou encore Kinvey passent leurs vacances là-bas. Et regarde-moi ce cul. On va se baigner dans de l'eau gelée. J'ai pas envie, je suis bien. Regarde mes cheveux comme ils sont soyeux. Il faut savoir que ces cheveux soyeux, c'est une arnaque. Ils n'ont jamais été si soyeux d'habitude. Parce qu'elle m'a fait un brushing hier pour le spectacle, et là ils sont soyeux. Mais je vais aller dans l'eau, ils vont revenir à leur état naturel, c'est-à-dire frisés comme ça. Every day I'm shuffling. Mais bon, allez, capara. Eh, écoute, on va aller faire de l'hélicoptère là. C'est pas du tout mon kiff. Et ils m'ont organisé ça, genre en mode on te fait la surprise. Moi, l'hélicoptère, ça m'angoisse de ouf. Il y a eu trop d'accidents d'hélicoptères. À chaque fois que je vois des hélicoptères, je pense à ça et tout. Ça me stresse quoi, tu vois. Il y a même des dates, des fois en tournée, on me propose, on me dit on va aller en hélicoptère. Genre ça va me faire kiffer. Et moi, je suis en mode on va aller en voiture. Il n'y a pas de problème. Ça va aller très bien. Ça me stresse de ouf. Il est optimiste, votre copain, hein. Il va finir par nous porter la boisse, ouais. Dernier point de détail, on a les petits sacs papier comme dans toutes les compagnies. De préférence, on va mettre des plus légers devant. Kevin, plutôt devant, plutôt derrière. Moi, je suis lourd hein, quand même. Oh le mytho. Mais attends, c'est donc moi qui vais m'asseoir devant. On est vivant. On a Walter White de Breaking Bad qui nous a fait, tout le tour. Je parle de toi. Ah. Au-delà du fait que moi j'ai eu très peur, vous l'avez vu, passer la peur, c'est un truc extraordinaire à voir. Donc un grand merci. On est vivant. Et on est vivant en plus. C'est quand même ça la nouvelle la plus sympa de la journée. Les amis, toujours dans ce vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en direct de La Réunion. Nous sommes sur un magnifique catamaran. Et là, on va essayer d'aller choper des dauphins. C'est mon rêve de voir des dauphins. Donc, restez connectés, vous allez savoir dans un instant si on a réussi à en voir. J'ai nagé, mais frère, c'est n'importe quoi de faire ça. Par contre, ouais, le dernier gars qui a mis ça là, tu vois ici, c'est un petit peu mordu. Ça n'a pas chauffé. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans l'avion, Kev, quand on a atterri ? Je veux que je prenne la caméra. Ne vous baignez pas, il y a des requins. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans le port quand on est rentré dans le port ? Ne vous baignez pas, baignade interdite, il y a des requins. Donc, qu'est-ce que tu vas faire là ? Je vais me baigner. On va pas s'agiter. Il y a une croix facile, elle est toute. Enfin, elle est isolée. Nous, on est deux. On se tient. Nous, le bateau, il sera juste à côté. Tu verras aucun retour. Et voilà, respire, tranquille, tranquille. T'as pas compris ce que tu vois en dessous. Ah là là. Tu vois rien. Tu vois les vidéos où tu vois des requins ? C'est cette couleur-là d'eau. Ouais, 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 ouais. À droite. Les amis, nous y sommes, c'est la fin du voyage, c'était exceptionnel. Je ferme les yeux, je vois tous les souvenirs qu'on a eu, c'était incroyable, on rentre à Paris pour de nouvelles aventures. Hein ? Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette vidéo. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec vous dans cette vidéo. Salut !